bien, salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte. Et encore une fois, c'est un jeu qui n'est pas sorti mais qui va pas tarder à sortir. Et en plus c'est un jeu que tout le monde doit connaître. Ouais, tout le monde doit connaître. D'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hype et si vous êtes au courant que ce jeu va sortir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos découvertes. Et en plus, les vidéos sur ce jeu que je vais vous présenter, eh bien, maintenant. Et donc, du coup, les petits potes, aujourd'hui, je vous présente Just Cause Mobile. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Just Cause est sorti pour la toute première fois en 2006. Le dernier épisode est sorti en 2018. C'était un jeu qui était sur console. Comment vous dire que là, je suis super content, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des licences sur console et PC qui arrivent sur mobile, comme Call of Duty Mobile, par exemple. Et ça, ça fait super plaisir. Donc, c'est comme quoi que le jeu mobile n'est pas mis de côté. Donc, surtout, ne lâchez pas votre téléphone. Donc, les petits potes, aujourd'hui, on va parler Just Cause Mobile. À propos du jeu, Just Cause Mobile est un jeu de tir et d'action dans l'univers explosif de Just Cause, conçu exclusivement pour les mobiles, avec une campagne narrative trépidante, un multijoueur compétitif à 30, des missions coop à 4 joueurs, Just Cause Mobile à tout pour plaire et plus encore. Alors, déjà, de ce qu'on peut voir, c'est que c'est un jeu exclusivement pour mobile, donc il n'y aura pas moyen d'y jouer avec émulateur, j'imagine. Il ne sera pas disponible sur d'autres plateformes que le mobile. Il y aura un mode compétitif, donc 30 joueurs, donc je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si ça va être un Battle Royale ou autre, donc 30 joueurs. Il y a une campagne, et ça, ça fait longtemps, surtout sur un jeu avec licence. Un jeu avec licence qui a déjà existé auparavant sur PC ou console, j'en connais pas beaucoup sur mobile qui ont une campagne, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a des missions coop à faire jusqu'à 4 joueurs, et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on pourra jouer avec nos potes. Le jeu m'a l'air potentiellement complet avec ces trois informations. C'est un jeu qui va être free to play. Just Cause Mobile est un jeu entièrement free to play, possédant 4 modes de jeu distincts, des graphismes de haute qualité grâce à un moteur de jeu Unreal Engine 4. Donc Unreal Engine, c'est un moteur de jeu qui est relativement puissant, et donc du coup ils nous le mettent sur ce Just Cause, et ça c'est plutôt cool. Des commandes tactiles réactives, un système de déplacement unique, parachute, wind suite, excusez-moi, et grappin. Un chat vocal, un gameplay de au vol à portée de main. Alors déjà, il y a un truc qui m'a fait tilt quand j'ai lu cette phrase, c'était chat vocal. Donc ça c'est plutôt cool, ils vont directement nous mettre un chat vocal et on n'aura pas besoin de passer par une plateforme annexe pour échanger avec nos coéquipiers. Donc ça c'est plutôt cool, on n'aura pas besoin de passer par une plateforme annexe pour échanger avec nos coéquipiers en vocal, vu qu'il y aura déjà le chat vocal. Il y aura tout ce qui fait Just Call, le parachute, le wind suite et le grappin. Rien que ces trois éléments là, moi ça me suffit, hein, ça me fait du Just Cause. Hein. Mais moi ce qui m'interpelle vraiment, c'est le mode compétitif 30 joueurs. Alors je sais que Just Cause n'est pas spécialement un jeu avec des tournois, mais pourquoi compétitif? Potentiellement parce qu'ils savent que sur le mobile, le côté compétitif, c'est ce qui fait venir les joueurs. Et donc là du coup ils vont nous l'implanter sur un Just Cause. Je sais pas à quoi m'attendre, mais c'est à suivre. Et moi je suis quand même, ça se voit pas sur ma tête, mais juste super content quoi. Allez, du coup, quelques petites images de Just Cause. Donc là, du coup, on peut voir un parachute, l'arrivée sur des troupes adverses. Donc ça, je pense que ça va être en coop ou en mission. Également, encore une fois ici, donc là, on voit qu'il y a un char, on voit qu'il y a des coéquipiers en bas à droite. Donc là, ça va être le mode coop. L'univers de Just Cause, montagneux, des récifs et tout. Ça donne envie de partir en vacances, bien sûr. Ça, c'est une image du multijoueur. Donc je sais pas à quoi m'attendre, en toute honnêteté. Je suis assez surpris de cette perspective, mais peut-être qu'on va être encore plus surpris au moment du gameplay. Donc voilà, après on va se regarder la bande-annonce qui va aussi nous montrer. Donc là, ça nous montre également qu'on va pouvoir piloter des véhicules. Il y a des véhicules terrestres et aériens. J'ai pas encore vu de véhicules marins, j'ai pas encore vu de bateaux ni de sous-marins. On a plus vu des hélicoptères et des voitures. Là, c'est le système de stuff. Donc chaque personnage que vous allez avoir, vous allez pouvoir le personnaliser à votre façon. C'est-à-dire que si vous préférez jouer pompe, vous allez jouer le pompe. Si vous préférez jouer sniper, vous allez pouvoir jouer sniper. Vous allez pouvoir équiper et personnaliser votre personnage de la casquette à la chaussette, ok? Ok, donc du coup, là, les petits potes, on va se regarder l'annonce, enfin, le trailer qui annonce le jeu. Il est sorti il y a maintenant 3 mois, et dans ceci, du coup, il y a pas mal d'images du jeu directement, et ce n'est pas que de la cinématique. Donc, on est parti, let's go! Donc là, on voit du parachute, de l'hélicoptère, ça explose dans tous les sens, Just Cause Mobile. Je
Ok. Donc là, on voit pas mal de véhicules, encore une fois. Allez, donc là, on voit l'hélicoptère. Là, on dirait que ça va être tout ce qui va être mission. Ça va être l'histoire. Donc c'est cool, ça va exploser dans tous les sens. Ça, c'est le mode coop, du coup, avec vos coéquipiers. Donc avec vos amis. Il y aura des boss à tuer, bien sûr. Et il y aura un mode domination en multijoueur. Et donc ça c'est ce que je pense que tout le monde attend. C'est le mode multijoueur. Donc moi, je suis relativement surpris de la caméra, de comment elle est foutue. Et j'espère qu'on sera surpris au moment des tests, quand on va pouvoir le tester. J'espère être vraiment surpris parce que pour le moment, ça me freine un peu. Mais vu que c'est Just Cause, j'ai pas trop peur d'être vraiment surpris, tu vois, par ce que le jeu va nous présenter. Il y a des modes challenge, donc ça j'imagine qu'on pourra les faire en solo ou avec des amis. Ça faut exploser un maximum de trucs, hein. On connaît tous Just Cause. Mais du coup on voit qu'il y aura différents héros. Just Cause, Mobear. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On va se tenir au courant. Parce que moi dès que j'ai des annonces, je vous le ferai. Sachez que ce jeu là, je compte forcément y jouer. Dans la description, vous allez retrouver tous les réseaux de Just Cause Mobile, que ce soit le Discord communautaire, le Twitter et la page Facebook. N'hésitez pas à les rejoindre et on se tient au courant pour du Just Cause Mobile parce que moi, en toute honnêteté, ça me hype parce que c'est vraiment la licence Just Cause. Ça aurait pas été un Just Cause, ça aurait été un autre qui aurait pris Just Cause, genre l'ambiance Just Cause, bof. Mais là, vu que c'est la licence Just Cause, à surveiller de très près. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire. On se tient au courant s'il y a des news. Et puis moi, sur ce, je vous fais un double ciao !